Sam, réveille-toi. Il est 5 heures. Réveille-toi. Oh. Oh. Ma tête. Est-ce que je vais même arriver à conduire aujourd'hui? Tu vas où? Bambinda. Oh. Ma tête. Bambinda. Mais c'est très loin. 400 kilomètres. Oui. Bois ça, c'est l'aspirine. Merci. Si c'était la bière comme ça, tu n'allais rien laisser. Oh. Prends ça aussi, ça réveille. C'est quoi ça? Tu fais comme si tu ne savais pas. Mon frère prenait souvent ça pour étudier. Ça réveille. Sam, réveille-toi. Réveille-toi, Sam. Sam, tu oublies l'heure du départ. Le car est prêt, tout le monde t'attend. Laisse-moi, dis donc. J'ai oublié tous mes papiers ici. Hier, j'étais avec Bob et Joe. On est parti pour boire une bière. On a bu une bière. Et Pab est arrivé. On a encore bu une bière et une bière. Oh. Et là, Madou est arrivé. On a encore fait la fête. Oh. J'ai oublié de me réveiller. J'ai dormi chez elle. Eux sont les patrons, hein? Tu ne peux pas suivre leur rythme. Oh. Je sais, petit frère. Oh.
Bombo, à nom du Papelé. Bombo, à nom du Chris. Bola, notre ami. Nangé, mais tu peux l'ami, notre Pamela. Andreman, à nom du Paul Djengu. La because situation dans ton paranjanja. Yeah. Oh yes. Situation dans ton manawa. Mais la quête qu'on sait, one day, situation va changer. Oh yes. On a libéré à quelle heure, mon travail? Midi ou une heure. Ça dépend si vous êtes sérieux, Makenele. Oh, Makenele, le gibier là-bas et les bâtons du manioc. C'est bon. Makenele, 15 minutes d'arrêt. Mange encore, hein, Sam. La route est longue, hein. Je sais, petit frère. Tu veux un peu? Jamais pendant le service, hein. Une tonique. Une tonique. Thank you.
peux sauter. Bonjour. Bonjour. Quand est-ce que je peux repartir? Demain autour de 14h. Ok, à demain. Je pars me coucher tout de suite. Avec qui? Avec moi-même. Vraiment, Sam, il faut que tu me sauves. Il faut que tu me sauves. Tu es le patron. Je suis fatigué, je dois dormir. Il faut que je sois à Douala absolument avant 18h. Mes marchandises sont arrivées au port et ne doivent pas dormir là-bas, Sam. Regarde là. Tu peux trouver d'autres chauffeurs. Qui ici connaît le port de Douala comme toi? Personne, hein? Et puis avec toi, la route, j'ai confiance. Il faut vraiment... Je suis fatigué. Je dois dormir. Et puis, bon. J'ai faim. Il faut... Va manger quelque chose. Je te paye à manger. Hein? Tu manges quelque chose, tu te reposes bien comme ça. On va prendre la route à 14h. Tiens, va manger. Va. Et puis ça, c'est rien. Si on réussit avant demain matin de revenir ici pour cette affaire, tu ne sais pas comment je peux te gâter. Oui. Sam, le patron est devenu gentil maintenant. On arrive, il nous paye à manger. C'est bien ça. Tu viens à Douala avec nous? Quand? Dans 20 minutes. 20 minutes? C'est encore 300 mètres. Je sais. Ça paye bien. C'est bien si tu te reposais un peu. Au retour. Mon petit, est-ce que tu n'as pas quelques comprimés ici qui peuvent empêcher de dormir? Oui, il y en a, patron. C'est ça, la Iriforce. C'est un médicament très efficace contre le sommeil. Et que pour un chauffeur, par exemple, qu'il boit ça, c'est très bien. Oui, c'est très bien, c'est très efficace. Il n'y a pas d'autres produits? Il y a comme le réglo que voici. Oui. Vous prenez ça deux comprimés. Il y a par exemple comme le cafénol que voilà. Vous mélangez le réglo avec le cafénol. Vous prenez deux comprimés. Vous allez très bien veiller. Quand vous buvez ce médicament, les deux comprimés, vous mangez la cola, ça peut vous faire veiller au moins pendant 2 semaines. C'est très fort. Prends la cola. Vraiment, Sam, il faut qu'on soit à Douala avant 18h. J'ai rendez-vous avec un douanier avec qui je vais régler quelques problèmes. Oh, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, hein? La motivation, quand même, dans les football, ça compte. Hein? Parce que si on motive bien les joueurs, comme tu vois là, comme l'autre, Mabouan. Oh, un joueur, hein? Les gars là jouent. Hein? Il prend la balle, il finit, il finit. Il termine tous les tableaux. Il faut que l'an prochain, il va jouer dans mon club. Je vais les payer. Je vais faire tout et tout pour qu'il vienne jouer dans mon club.
Patron, c'est mieux que tu passes des restes si tu dois dormir. Tu as raison. Il faut que je me repose un peu derrière. Confiance, hein, Sam. Confiance. Il y a la chance au monde, mais la voiture est complètement détruite. Une personne est morte, lui paralysé. La conduite, c'est fini. À cause de quoi même, hein? À cause des médicaments. Thank you.